Me voilà posté à l'affût, caché derrière des sapins, je suis à bon vent. Un cervidé sort du bois en ce début de printemps. À première vue, on pourrait croire à une biche, mais en observant bien, une sorte de crinière noire se dessine. On observe ses deux pivots situés sur sa tête. Ils sont habituellement supportés par les bois du cerf, mais en ce mois de mai, ils viennent de tomber naturellement. Chaque année, les cerfs perdent leur bois de février à mai. Les plus vieux les perdent en premier et les plus jeunes en dernier. Il s'agit donc d'un jeune cerf, la repousse n'a pas encore commencé. On les appelle dans cette phase sans bois les cerfs-mulets. Ces bois repousseront jusqu'en août et sera donc coiffé pour le brame. Un autre cerf ou bien le même se montrera le lendemain matin brièvement. Une chose est sûre, je reviendrai pour qu'il me montre sa future ramure.